j'ai pas envie d'y aller. Ce qu'est une découverte, certains diront que c'est voir une chose pour la première fois, d'autres diront que c'est rendre réelle cette chose que l'on ne connaissait pas. Pour ma part, je pense que c'est avant tout décider de s'offrir à une page blanche et la regarder s'écrire. C'est donner un sens là où il n'y en a pas. Une découverte ne se cherche pas, elle se construit. Sinon, partir à la découverte de soi-même reviendrait à chercher quelque chose qui n'existe même pas en nous. Une découverte, c'est une question avant tout, c'est un « est-ce que ?» sans réponse. C'est une histoire sans fin qui ne se parcourt que pas à pas. Mais surtout, une découverte, c'est un espoir. Un espoir que, quelque part, il existe la récompense d'une meilleure version de nous-mêmes, et que, dans la liberté de l'inconfort, dans l'effort du voyage, toute cette futilité se désagrège. En fait, je ne vais pas vous raconter cette histoire, parce que l'espoir ne se raconte pas. Il s'éprouve. Il est 9h54, on n'est toujours pas parti, le temps de chercher une place où on pouvait laisser le van, de savoir comment est-ce qu'il faut qu'on paye, de blablabla, de tout ça, de régler les problèmes de la vie que t'as pas envie d'avoir. Et en plus de ça, on est super content parce que il fait grand beau, beau temps, belle neige. Donc les vélos, ben, ils demandent qu'à partir, mais nous, on a un peu la flemme là. Bon, bah ça y est, je crois que c'est l'heure. Enfin. J'espère qu'on va pas trop avoir de pluie. Allez! Allez, ciao! En Espagne! Et le beau temps! Génial! Allez. On vient de voir un ancien qui mangeait ces petites choses-là. Là. Alors on va essayer de faire pareil. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a que les Basques qui peuvent le manger? C'est ça. Peut-être ouais. Que les Français, ils décèdent instantanément. Non, c'est bon, c'est croquant. Ok, on attend quelques heures pour voir si il devient violette. C'est ça. Pas se laisser aller. Non, mais tu peux pas montrer ça dans ton film. C'est pas le truc. Do-do-do-do-do.
que ça, quoi. C'est monter, descendre, monter, descendre. Il y a vraiment très peu de plats. Tu fais que ça toute la journée. Quoi. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. C'est assez usant quand même. Il est midi. Non, je parle à la caméra, je parle tout seul. Et là, on va où? On va tout droit. Bah du coup, on se pose un peu de questions. Parce que... on est vraiment lent. On n'avance pas vite. Donc on va voir. Si on peut rentrer dans les... dans les objectifs qu'on s'est fixés. Moi, j'aime bien la grande route. Belle montée. Super, là je suis. J'attendais que ça. Ah! Et c'est enfin arrivé. Je te dis vivement que la chaîne elle pète. Allez, on va voir si ça tient. Raccourci la chaîne, il y a des vitesses qui passent plus du coup. Faire un magasin de vélo. Sauf que j'avais oublié qu'on était en Espagne. Et que les horaires sont un poil différentes. Tant pis. Les yeux sont bien pas en face des trous, ça c'est bon. La pluie commence à tomber, ça c'est bon. Le ventre est vide, ça c'est bon. On peut y aller. On quitte le Pays Basque et on rentre dans la deuxième région d'Espagne. On va traverser Cantabrie. Ça va faire une heure que c'est comme ça. Le pantalon le plus stylé de toute l'histoire du pantalon. Là, c'est la fin des Asturies et là c'est le début de la Galice. On va bien suivre les petits pois ce matin. Parce qu'on voit rien du tout. On est arrivé à Sobrado. La bonne nouvelle, c'est que c'est quasiment à mi-chemin. Donc on a pas mal roulé. Il est 1h.
C'est bien. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai le genou qui est explosé. Et dès que je mets un petit peu de poids dessus, je peux pas, en fait, ça fait trop mal. Donc on va faire une pause, manger, se reposer, masser. Du coup, on est reparti sous le soleil. On est parti pour 56 km. Les derniers 56 km avant Saint-Jacques. C'est parti! Accepter que le paysage défile, c'est laisser de l'importance à une longue ligne droite en face de l'horizon qui s'éloigne. C'est faire le choix de s'adapter au présent, quand le passé est un soulagement et que le futur n'est pas encore un concept. Tout cela, c'est ce qu'on pourrait appeler une aventure. Pas de celles qui font vibrer les foules ni qui changent la face du monde, mais de celles qui nous mettent en face de nous-mêmes, qui, malgré les difficultés, nous n'avons envie de décrire qu'avec des mots de remerciement. Peut-être parce que nous avons besoin de l'illusion d'avoir réussi. Peut-être par empathie envers ce que nous étions hier et que l'on ne sera plus demain. L'aventure de la route, c'est aussi accepter de n'être que de passage, à chaque instant, à chaque personne, à chaque lieu. C'est dire bonjour et adieu, car je l'espère, demain nous serons loin. C'est emprunter chaque soir un nouveau chez-soi que l'on rendra une fois parti. C'est se dire que demain sera toujours différent. Alors quand les questions arrivent, on fait ce que l'on sait faire de mieux. Ne pas chercher à savoir, appuyer à droite, à gauche, et recommencer en se laissant bercer par la vue d'une roue qui tourne. Parce qu'après tout, à quoi ça sert de mettre des mots compliqués sur un sentiment aussi simple ? Santiago. Et voilà. Yeehaw. On l'a fait. T'aurais pas les... Bah, Jo, qu'est-ce que tu fais ? Là, j'envoie le générique, remerciements, musique, crédit, enfin, tout le tremblement, quoi. Mais pourquoi ? Bah, parce que c'est fini, et quand c'est fini, on met un générique, non ? Bah, non, pas forcément, non. On n'est pas aux Oscars du film de voyage, hein. Et puis parce qu'on n'est pas arrivé, mon petit pote. Oh non, mais moi, je bouge plus, là. T'as cru que j'étais venu jusqu'ici pour faire la même chose dans l'autre sens ? En plus, c'est bon, là, on a compris, blabla, pédaler, c'est dur, blabla, on fait des trucs cool en voyage, blabla, on apprend sur nous, blabla, blabla, blabla. Ok, donc du coup, tu nous as fait tout un flanc pour partir, et maintenant, tu vas nous chier une pendule pour rentrer. La bipolarité, ça te parle ? La bipolarité... Bon, de toute façon, moi, j'ai un train à prendre dans 10 jours, alors, tu baffes ce que tu veux avec ton scénario, mais moi, j'y vais.
Oh, mais c'est pas vrai, ça. Faut toujours faire avec le planning de madame, et y a pas moyen de s'arranger, hein. Hein? Oh, Lucie. Non, mais ça va, attends. Et puis, on a peut-être que temps de prendre une bière ou deux avant de partir, non? Jolène du futur. Quand tu regarderas ça, je pense que j'ai raison de dire que c'est la meilleure chose que j'ai mangée. Et du coup, que tu as mangé ces 8 prochains jours. Voilà, histoire d'en profiter un petit peu plus. Devant un match de hand. On se sera pas si dur que ça, on se fera plaisir. On verra. Au niveau du mental, c'est pas ça. Ce matin, dans d'une, pas envie de partir. De deux, on peut vite rentrer. De trois, il y a que de la route, putain. Que de la route, trafic, que des voitures. Ça brille la tête. Ce bruit-là. Que ça. Ouais, non, je sais pas. Ah, ça va pas. Ça va pas, mais bon, il va se passer. Surtout en sachant que potentiellement il pleut pendant les deux prochains jours et que c'est des deux jours de montagne. Ça donne vraiment pas envie de continuer. Je crois qu'on arrive en haut mais qu'on va rebasculer dans la flotte. On va rebasculer dans la flotte de l'autre côté. Voilà, alors là c'est joli, il y a un peu de soleil et tout, mais là-bas au fond, putain, c'est noir et blanc. Plus de couleur. All the bullets that we're dodging are the bones in the garden. Never beg for a pardon. Cash in before the house rules. Never break from the ground rules. Got too high off our own fumes. We keep playing with fire. La trace rouge là, c'est la frontière. Elle est là. C'est la France au bout du chemin. Ça fait bizarre parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est pas un voyage d'une vie et c'est pas en des périodes du monde, mais ça fait déjà beaucoup. C'est, je sais pas, c'est juste un truc à traverser quoi. Et on est arrivé. Et il y a un moment, il va falloir se dire ok, stop, là c'est fini.